Ok. Alors, on va voir si ça se lance, parce que là, je viens de lancer, et puis ça ne s'est point lancé. Live. C'est bon là. Bon, ça a l'air d'être bon là. Ok. Ah voilà. Ah bon. Très bien. Ça roule. Bon bah hop, allez. Dernière ligne droite les gars. Audio. Ok. Éditer. On grossit un peu. On recadre ça correct. Et voilà. Nickel. Re tout le monde. Allez, go. Dernière partie, les mecs. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Hop. Putain. Alors, on réouvre la page de Solus. Parce que c'est toujours sympathique de savoir où aller et ce qu'il faut faire. J'en ai plein le cul là, je me dis qu'il va falloir encore faire du Fenwick. Hein. Je te mets au fond, en fond l'ami. On va y arriver. Enfin, je vais y arriver surtout, parce qu'il n'y a que moi qui subis. Hein. Il n'y a que moi qui joue. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une blague. Ah, j'ai badé. Le truc où j'avais ma soluce. Ok, d'accord. Allez. Ok, voilà, c'est ça. Cinquième jour. Alors, attends, je regarde un peu. D'accord, ok. Ok, d'accord, je vais pas trop lire la soluce parce que j'ai pas envie de me spoil. Allez, go, load. Oh putain, j'ai fait 21h25 de jeu. 21h25, les gars. C'est ouf. Je m'attendais pas à ça, quoi. Bon, Akumajo, tu es là, donc je vais pas regarder le chat Solus. Je vais pas regarder les Solus. On en est au cinquième jour de taf, normalement. Je me suis fait une petite tisane réglissante. Voilà, donc ça, hop, ok, go boulot. Zic. Alors, faut aller où, alors? Yeah. Ah, Akumajo, dis-moi, est-ce que tu as réussi à y finir premier au moins une fois cette merde? Ok, ça roule. Je suis la map, ça va tout seul. Ça marche. Ok, j'irai voir les figurines Sonic. Tu m'en reparleras, Akumajo, quand on aura fini la journée, ok? Allez, go!
casse les couilles. Putain, on peut finir premier alors. C'est tellement chaud. Allez, allez, courage, vaillance. Non ! Non, 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 non ! Allez, courage ! Y'a moyen ! Y'a moyen ! Je me suis requinqué. Cette fois, je ne trépasserai pas. Ah non ! Oh ! Oh, c'était chaud. Allez, go. Allez, le 2, là. Allez, au moins deuxième, putain de merde. Allez, allez, il y a moyen, là. Il y a moyen. On dirait que je suis en train de chier. Oh, dégage. Dégage. Putain, il me fait chier que c'est fourche là, ce fils de pute. Allez, go. Ok, on est bon. Ah, le premier, tu vas tellement manger chaud, le premier, là. Ah non, il est loin, quand même. Ah, il est loin, ce bâtard. Ah, c'est compliqué, à mon avis. Il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. Faut pas que je me queute, hein, surtout pas. Ok, c'est bon. Ah, y'a peut-être moyen que je le goal. Putain, si je me le goal, les gars. Oh, ça serait génial. Faut pas que je fasse le mongol. Oh, putain. Ah, ça va être chaud. Ah, c'est trop chaud, là. Là, je suis obligé de relâcher l'accélérateur, ici, donc... Ah, il est toujours devant, au calme, quoi. Putain... Ah merde. Oh, je... oh non, 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 non. Non, ça serait con. Non. Non. Oh, dégage, dégage. Non. Non. Fous-moi ton corps, espèce de saloperie. Oh putain, je bad. Je suis pas bien là. Ok, c'est bon, parfait, parfait. C'est pas grave, deuxième, c'est très très bien. Très très bien. J'ai fait toutes les positions. Yes. Bon, deuxième. C'est de la merde, mais... Ouais, le Fenwick numéro 2. Utilise la nitro. Re tout le monde, allez, c'est reparti là. Vous êtes prêts à remplir des caisses? Gotcha. First take a crate from here over to warehouse number 8 and unload it there. Then take a crate from warehouse number 8 to warehouse number 18. You know where that is, right? I take this to warehouse number 8. Then I take number 8 cargo to warehouse number 18. Yep. But careful you don't get mixed up. The quota's written on the map. I got it. Ah, attends, alors là, j'ai un peu rien bité, là. Alors, je suis où? Je suis là. Je suis là, je pose un truc, je reprends un truc au 8 et je le dépose au 18. Ok. Ça roule. Aucun problème, mon gars. Alors, par contre, attends, le 8, c'est par où? Hop, je longe les quais. Ah, putain, il me fait longer les quais, ce clasheur. Hop. Le mini-jeu Bac plus 5.
Et donc là... Ok, c'est en face. Par contre, attends, faut pas que je me gourre. C'est bien là, hein. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, je pose ici. Et ensuite, je prends cela. Que j'emmène au 18. Ça marche! Vous voyez, là, il y a un peu plus de trucs. Enfin, vous voyez, c'est... Et là, pour revenir, c'est... Je prends le chemin à gauche. Ouais, ok, ok. C'est le chemin que je prenais à la base. Attends, what? Ah non, c'est là. Ouais, ouais, ok. C'est le chemin de base, en fait. Ok. I miss this game so much. Ah, welcome, Rosette22. I'm working hard on this game since 1 week, I guess. So I'm exhausted. Sorry, my pronunciation is horrible. Okay, hop, je prends ça. Welcome and don't forget to give a donation. Pourquoi pas? Après, tu te fais des petits défis. Ouais, j'avoue, non mais grave, il y a moyen de triper, tu vois. Force de farandole. Bon, allez. Courage, vaillance. Ah, ah, fuck. Ok, on est bon. Ok. Attention, est-ce que ça passe? Oui, yes. Ah, oh, mais ouais, je suis bloqué de quoi là? Ok. C'est bientôt la fin du jeu. I used to try forklift in real, but failed it to many cons. Ouais, c'est... That's not the same thing in this game. In this game, it's pretty, pretty cool. Sometimes you are stuck because of a cat or just fucking person. But it's cool. Putain, je rentre dans le cul. J'étais pas au courant, c'est une grande erreur de ma part. Re monsieur, j'aime les femmes juives. Christophe Schutt. Nelson Monfort. Hey, quick infested McDonald's. Ouais, non, non, mais... J'ai une très mauvaise prononciation. Je bafouille, je me perds dans mes mots, tu vois. Mais il faut que je parle anglais, il faut que je m'entraîne. It's a good training to speak English for me, so... Sorry for my pronunciation, but I need that to be better, to evolve like a Pokémon, you know. Ah, oh. Putain, je me baigne dans les bordels, and I'm burning on the bordel. Allez hop, or by a person.
4, ça peut... Ouais, mais j'ai dit les chats. Ah merde, attends, je reprends pas les caisses, mais quel con. Tous les Français ont un accent. Ouais, bah, ouais. Moi j'ai un accent dégueulasse, mon pote. Hein. Enfin, c'est même pas l'accent en fait qui m'énerve, c'est que je bafouille. Tu vois. Je suis toujours en train de chercher mes mots, je bafouille un peu, tu vois. Mais ça, je pense, c'est parce que voilà, je m'en... enfin, je vais pas assez d'entraînement, je ne vis pas chez des ricains, tu vois, quelque part. Donc c'est compliqué, tu vois. Sorry for my pronunciation. Bah oui, attends, avec le respect. Par contre, pronunciation, je crois que c'est UN, hein, il me semble, non? J'ai un dico pour la pronunciation, justement. Non, c'est O-U, O-U-N. Pronunciation. Clavier de merde. Allez, go. Ok, donc je vais foutre cette saloperie-là. Ouais, faut vivre chez les Anglais. Hein. Bah, j'ai mon pote Mehdi, là, qui vit en Écosse. C'était un peu une bille en anglais, et ça fait, allez, un an et demi, deux ans qu'il y est. Le mec, bon, il a pas un accent de ouf. Merde! Il a pas un accent de ouf, mais il parle nickel. Il parle avec sa meuf au calme. Sa meuf, d'ailleurs, on s'est bien marré. On a essayé de lui faire dire des mots à la con, genre couille et tout. Elle galérait, ça nous a fait triper. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'expressions à base de couille, tu vois. Lunchtime, eh? Et il disait, mais why French people are so obsessed about balls? Et c'est vrai que tu dis, t'es là, tu sors, ça me casse les couilles, il y a une couille dans le potage, ça se barre en couille. Alors que ça n'a aucun sens. Ça se barre en couille, c'est-à-dire que ça se barre comme une forme de couille, ça n'a aucun sens. L'accent goudou américaine. Écosse, il a visité Rockstar Games? Je pense pas, non. Touch my bollocks. D'ailleurs, je l'ai pas dit. Non, je le dis dans la FAQ, ça. Est-ce que je vous le dis ou pas? Non, elle est pas rousse. Elle est plutôt mignonne en plus. Elle est super sympa. Et ils m'ont invité à venir, à y aller en Écosse. Et ils m'ont proposé... Ah oui, ils vont se marrer. Et ils m'ont proposé de venir pour Halloween. Donc je vous ferai sûrement une vidéo Halloween en Écosse, tu vois. Halloween Scotland. Ça pourrait être stylé. Alors, eux deux, ils veulent se marier, c'est ça? Truc qui n'a aucun sens, quoi. Alors, attends, Akuma Joe, tu m'as dit que je pouvais prendre une figurine de Sonic ou je sais pas quoi. Il y a moyen que je le fasse là? Ou je dois faire d'autres trucs? Attends, le mec, il note ça dans son calepin, on s'en bat les couilles, quoi. N'a pas d'intérêt, quoi. Parlons comme un bon français, parlons arabe. Parlons français. Ici, t'as des figurines du port dans le bar. Ah oui, mais le Sonic et le chocolat, c'est pas ici, c'est dans la ville. C'est pas au port qu'il faut que je fasse ça. C'est dans le bar. Re-Ludo. Donc Ludo qui repart, qui revient. Non, non, mais si, c'est moi qui paye le voyage. Bah, c'est un peu grâce à Piu Piu aussi, il faut le dire. Hein. Parce que je mets quasiment toute ma paye de côté, donc c'est compliqué. Mais ouais, du coup, je vais me payer... Enfin, mais c'est pas très cher, en fait. Hein. Ah ouais, c'est là. Ah ouais, Akuma Joe. Bah, j'irai après, alors j'irai la nuit. Non? C'est un gachapon, donc c'est dans une machine. Donc je peux le faire la nuit. Salut, you fuck. Ouais, donc le billet, en fait, c'est pas cher, hein, l'aller-retour. Et là, ils ont payé, ils sont venus un week-end, ils ont payé 65€ l'aller-retour, en avion. Sur un site genre à la dernière minute, tu vois. Donc pour Halloween, voilà, je vais y rester 4-5 jours pendant les vacances, là, scolaires. Et je vous filmerai ça, je vous ferai un genre de vlog. Ça pourrait être cool. J'y vais avec un autre pote, donc... Enfin, théoriquement, il doit me reconfirmer, mais...
En gros, dès qu'on a notre paye, là, on prend les billets, quoi. Donc fin septembre, là, allez, dans à peine 10 jours, on prend nos billets, quoi. Fais-nous une vidéo de voyage. Mais t'inquiète, ce sera... C'est fait. Je le fais. Je vais ramener la GoPro, je vais ramener tout le merdier, et puis voilà. Je vais ramener la blinde de carte SD et... pendant les vacances scolaires. Ah bah oui. Les vacances scolaires, j'ai dit. Il me semble. Quand tu iras, essaye de visiter les studios de Rockstar Games, mais il paraît que c'est interdit. Ah bah, bon. Si c'est interdit, je vais pas y aller, quoi. Caméra nocturne ou pas, alors? Bah, je l'ai commandé, mais elle va arriver. J'en ai commandé une à 100 balles. C'est pas un truc de ouf, mais c'est un truc un peu comme une GoPro, et la qualité est vraiment correcte, donc c'est juste pour filmer des machins nocturnes, donc en fait, bah les couilles. Mais pour mon vlog en Écosse, je prendrai la GoPro. Je vais pas prendre la truc nocturne. De toute façon, je l'ai pas reçu. Théoriquement, je la reçois début octobre. Tu peux aussi rentrer dans la boutique, acheter du choco ou caramel, tu peux gagner des figurines de Sonic dorées. Ouais, ça, je suis au courant, les jeux spécialeurs pour la Saturne. C'est Automata Store. Ok, d'accord. Tu as trouvé un modèle, tu feras un petit vlog pour montrer ça. La caméra, ouais, il y a moyen. Ouais, je la montrerai. Parce que du coup, j'ai été me renseigner et tout, et en fait, elle est pas mal. Hein. Y a un mec qui comparait cette caméra à la GoPro Hero 4, et qui faisait plein de plans, en fait, comparaison. Le seul problème, c'est le micro qui est un peu sensible. Donc faut pas s'amuser à frotter trop le micro et tout, sinon ça fait... Tu vois. Mais sinon, la qualité est cool. Et la vision nocturne est vraiment très bien, donc pour 100 balles, j'ai fait, bah, allez, go. Et c'est un tout petit machin comme un suppositoire, en fait. Tu peux te le carrer dans le fion, quelque part. Akuma Joe, dis-moi, est-ce que j'ai un truc à faire de spécial ou il faut que je reprenne le taf, là? Je pense, hein, je pense qu'il faut reprendre, faut attendre pour reprendre le taf. Ça, c'est stylé, là, les oiseaux, là, qui s'envolent, j'aime bien. Je trouve ça vraiment cool, hein. Ça, c'est classe, quand même. Bon, c'est un peu con, parce que quand tu tournes en rond, comme ça, ils se renvolent vers toi. Il se repose à tes pieds, mais bon. Ah. Là, non. Pas s'amuser à frotter le micro. Du coup, pas d'ASMR nocturne. T'as un hangar où tu peux t'entraîner aussi. En fait, tu peux tout le temps... En fait, le seul truc dans ce jeu pour passer le temps, c'est s'entraîner. Non, bah je vais attendre. Tu captures l'audio via autre chose et c'est bon. Ouais. Bah ouais, mais bon, il faudra un micro. Enfin, ça va être compliqué. Si je veux partir, tu vois, genre... dans la forêt ou je sais pas quoi, c'est... Non, mais je pense que le micro, ça ira très bien. Juste que... Il faudra que je fasse gaffe, que ce soit pas trop... Que je bouge pas trop la cam. De toute façon, je vais faire des tests avant. Hein. Voir si je fais comme ça, ça fait du bruit et tout. Et puis je verrai en fonction, quoi. Aux fléchettes. Ah oui, c'est vrai, il y a les fléchettes. on verra ça. Dans le bar, t'as les fléchettes. Ouais, bon, enfin bon, les fléchettes, c'est bon. Je bats les couilles. Ouais, le vent, ouais. Mais là où je veux filmer avec la caméra nocturne, c'est dans une baraque, donc théoriquement, il n'y aura pas de vent. Hein. À moins qu'il y ait un genre de tornade spectrale, mais... Allez, j'ai hâte de reprendre le taf, là. Non, en vrai, je m'en bats les couilles, mais je veux juste que ça se dépêche un peu. Alors, attends, il m'a dit les parchemins de tout à l'heure. Ah, c'est ça? Pa-pa-pa-pa-pa. J'imagine que t'as déjà cogité sur des subterfuges pour nous faire croire qu'il y aura des bruits mystérieux dans la baraque. Non, non, mais vraiment, en plus, enfin, vraiment, je vais vraiment être honnête, quoi. Je vais y aller avec Marc et on est vraiment à fond dans le truc, nous, tu vois. On n'a pas envie de faire des conneries.
Donc s'il y a vraiment rien, je ferai une vidéo, voilà, où il se passera rien, et je dirais, voilà, il se passe que dalle. En tout cas, pour ce qu'on, nous, ce qu'on a vu là, c'est du bullshit. Voilà, quoi. Par contre, s'il se passe des trucs, là, on sera vraiment à fond avec Marc. On va dire, attends, on entend un bruit, on court direct, hein, on dit, qu'est-ce qui se passe, là? T'inquiète. Donc là, je fais exactement le même taf. D'accord. Ok, ça roule. Oh putain. Mais what? Mais suce des queues! Ce putain de chat de merde. T'as les parchemins chez l'antiquaire, n'oublie pas. Si tu pouvais poursuivre la story dans le 2. Ah mais là du coup mec, je peux plus rien acheter là après. Parce que quand je retourne en ville, il fait nuit. Du coup, je suis niqué. Ah, là, il va y avoir un souci, Jean-Jean. On va essayer de passer là. Non, mais si tu fais pareil que moi, putain. L'IA est un peu dans les godasses, hein, quand même, faut le dire. Les problèmes d'IA. Alors, parchemin, voilà, il va larguer les caisses et dire que c'est des fantômes. Seed style. Non, on essaiera de faire ça sérieux, je pense. Bon, on fera des vannes et tout, mais... À de voir la vidéo à la Gus DX. Bah, bon, pour l'instant, j'ai même pas confirmé à la meuf les dates. Je lui ai dit que je confirmerai les dates. Donc, voilà, une fois qu'on aura fait ça... Mais s'il faut le faire... T'as du temps, genre 2-3 minutes. Genre le soir, quand je rentre du taf. Je peux faire ça, t'es sûr? Parce que moi, en général, c'est la nuit. Et je peux pas me barrer avant la nuit, en fait. Parce qu'il dit toujours, je dois parler à des gens dans le port, machin. En fait, je peux pas parler... Enfin, je peux pas faire ça, quoi. Puis quand je sors de chez moi le matin, je suis direct... Il va direct au taf, donc... Je peux pas en fait. Tu vois? Oh lui, il va casser les couilles, je le sens. Allez, mais cassez-vous, putain! En fait, il y a que moi qui bosse vite, quoi. Oui, bon, le rien, c'est con. Le montage en live était énorme. C'était vraiment énorme. Ah. J'en referai ça, je pense. Hein. D'ailleurs, Pokémon Go, je vais retourner une vidéo, je pense, mardi matin. Après le boulot. Je finis à 10h15, donc... Après, j'irai tourner une vidéo de Pokémon Go, je pense. J'arrive, je vois Sid encore en train de faire du chariot élévateur. Ouais, c'est bientôt la fin, mec. Mais c'est vrai que ça commence à me poncer les couilles. Quelque chose de concret, quoi. Merde, j'ai pas repris la caisse. Quel con. Ah, fais voir, Youpin, la photo de la blondasse, là. Celle qui bouffait des chewing-gums, là, c'est ça? Ouais, quand tu rentres du taf, ce sera pas toujours le cas, je spoil pas. T'as ton cassette au moins? Bah écoute. Je crois pas. Hein. Non mais j'ai un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle. En vrai, hein, je veux dire, dans ma table basse là. Je sais plus ce que c'est. C'est quand j'avais bossé dans les frigos là. Putain, c'était tellement de la merde ça.
D'ailleurs, j'étais tout le temps malade et il m'avait viré. Parce que genre en 3 mois et demi, en 3 mois et demi, j'ai été malade genre 2 fois, tu sais. Du coup, ils m'ont dit bon, bah allez, au revoir. Bah, c'était quand même classe. Quand je me suis fait virer, j'étais content. Parce que genre je le savais pas, tu vois. C'était la boîte d'intérim, ils m'avaient même pas appelé, bah les couilles, tu vois. Je suis arrivé le matin, la gueule dans le cul, j'avais pas envie de bosser. Je passe mon badge au parking, je vois que le portail s'ouvre pas, je fais mais what et tout. Il était 9h, tu vois, je vais à l'accueil, je fais ouais, j'ai besoin d'aller bosser là, qu'est-ce qui se passe là? Ah mais attendez et tout, c'est bizarre. Puis du coup, ils ont été voir les supérieurs et tout et ils ont dit ah bah oui oui, monsieur, vous avez été mis à pied. Ah d'accord. Donc je peux rentrer chez moi? Ouais. Ah cool. Au revoir. Ouais, c'est vraiment un boulot de merde, quoi. Un truc d'intérim. Bon, je gagnais 1 700 € par mois, par contre, hein, attention. Hein. Donc c'était pas mal, mais dans les frigos et tout, oh, c'était tellement relou, quoi. Puis voilà, on pilait des yaourts, là. Vraiment de la merde. Putain. J'avais conduit des chariots comme ça, mais c'était pas la même merde. Et c'était des toutes petites fourches... Derrière, je crois que c'était derrière, ouais. Les enfoirés, vrai escroc, tu m'étonnes. Paye le taf de merde, en mode esclave de la personne. Et du coup, tu fais quoi maintenant, à part du Fenwick? Bah, je suis surveillant. Depuis... C'est ma 3e année, là. Putain, tiens, d'ailleurs, je pense à ça, lundi, faut que je ramène un film pour le club cinéma, là. Putain, je sais pas quoi prendre. Parce que j'aimerais bien ne pas remettre les mêmes films que l'année dernière. Bon, même si je pense qu'ils vont remanger un petit Juno, là. Mais, non, je sais pas quoi leur prendre. Faut que je regarde ce que j'ai. Alors, elle est dégueulasse, la meuf, apparemment. On va faire voir. Ah ouais, c'est bizarre, en fait. Ouais, je préfère Ellen Page, hein. Clairement, y a pas à chier. Non, le club ciné, ça fait que depuis l'année dernière que je l'ai fait. Got a question. You know about the long jaw? What? What did you say? You know. Ah, ça fait 3 ans. No. Hey. Hey, wait. Allez, QTE. Tracy Fragments, ah, j'avoue. Ah merde. Bon, je pense qu'on va se le refaire. Ah mais je foire tous les QTE, c'est hallucinant, quoi. Ah mais j'ai tout foiré, les gars. Ok. Le mec il s'éclate, quoi. Bon, je me suis foiré. Ward Candy. Ah mais ils sont jeunes, hein. Je peux pas leur mettre des trucs trop chauds, quoi. T'as niqué combien de carnets? On prend plus les carnets maintenant. Maintenant on appelle directement les parents. En général c'est... Quand ils pètent les couilles en perme, c'est une fois. Et la deuxième fois je leur dis... Tu te déplaces. Si quand tu as cassé les couilles, ça dégage. C'est dehors.
Et s'il fait son show, genre, ouais, vas-y, bâtard, je fais quoi, qu'est-ce qu'il y a, les gars? On appelle tes parents, là, tu vas te calmer, déjà. Et voilà. Puis après, évidemment, un petit tour chez la CPE ou chez le principal quand elle est pas là, quoi. Puis en général, ils ferment leur gueule. Hein. Ok. J'ai appuyé sur gauche là. Tu te fous de moi, espèce de con. Oh, le taquet qui s'est pris l'autre. Allez, on va prendre à gauche cette fois. Ok, j'ai dû me gourer, je pense. On va reprendre le même. Ok. Ah, je me suis gouré. Ah, j'aime pas les QTE comme ça, là, c'est de la merde. Ah, c'est bon, je l'ai attrapé. Et aux parents, tu leur parles comme à Marc, le vendeur de volets. Non, non, non. Non, je leur explique calmement la situation. Et en général, ils disent, ah, mon fils a fait ça. D'accord, merci d'avoir prévenu, il va manger ce soir. Puis en général... Ouais, il y en a qui mettent mes vidéos, hein, bien sûr. Only the boss of the Mad Angels knows. Who is the boss? It's Terry. Terry. Please don't tell anyone that I told you. Or they'll send me to the bottom of the sea. Oh. Where is he? I don't know. It's the truth. Terry's real careful. Ah, s'ils peuvent venir me faire des dons. Non, je suis pas un lycée, c'est dans un collège que je fais. Here. Thank you. No, wait. Yes. Someone came to see you earlier. Really? Yes, a young man in a suit. He asked me to give this to you. Thanks. The Mad Angels are after you. Beware. J'aime bien les expressions de visage de Ryo. C'est bien fait, je trouve. Ah, the Long Jaw. Maybe Master Chin knows about it. 480 $. Youtubeur clashé. Hazuki. Ça vient de From Human to God. Is Landy coming for the Long Jaw? Why do you know about Long Jaw? I got it out of the Mad Angels. So, is Landy coming? Landy has nothing to do with the Long Jaw. Only the lowest Chiyo men members are involved. But Terry and his gang have arranged transport for Landy to a ship. He's acting as a guide for Landy, so as to ingratiate himself with the Chiyo men. Terry and his gang already know about you. And that you're trying to stop the Long Jaw. The items we deal in are expensive. Paintings, calligraphy, antiques. Jim. Terry's gang deals in contraband. The next big shipment is drugs. If they get established, a market will be destroyed. If our trade route is disturbed, it will cause trouble for us in China. So, now you see. Il parle tout seul? Before you get hurt. Ah, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Ouais, parfois. Someone as young as you should not be involved. Tell me when the Long Jaw is. I cannot tell you. But if you can be patient and listen to my counsel, no harm will come to you.
Father. As written in the letter to his father, I'm bound by my promise to Zhu Yuanda. I will hear no more of this today. Ça doit être moins pète-couille d'être pion au lycée qu'au collège, non? Je sais pas. Your father would not have wanted you to throw your life away so senselessly. Non, c'est pas un... si je me... Non, j'étais en train de me manger un... de la peau sur les doigts. J'ai un truc... Moi, je parle souvent tout seul aussi. Hein. Ah, c'est toujours pareil. Bah oui, je fais du Fenwick et puis voilà. Alors, Akuma Joe, j'ai besoin de toi. Est-ce que je peux rentrer chez moi, là, ou est-ce qu'il faut que je fasse des trucs? Au collège, tu dois avoir vraiment des mecs qui te rendent fou. Lycée, c'est plus posé, j'imagine. Ouais, mais le collège où je suis, ils sont tranquilles, donc ça va, en fait. Si tu montes ta bite sur Snapchat, tu risquerais d'adhérer. J'avoue. Ouais, mais il faut que tu demandes aux gens du port. Oh putain, le truc relou quoi. Tom. Hi. You're looking good. Hey, no thanks. Maybe next time. Honey-san. Hi. Hey. How about? Sorry. D'accord. Donc eux, ils servent vraiment à rien. Ah, peut-être aller demander au Black, là, Marc. Ou au Clodo. T'as aller demander au Clodo. Ok, donc encore une fois, je me fais carrément dégager par tout le monde. Ça sert à rien, en fait. Hein. Ouais, mais quand t'es au lycée, c'est pas pareil. Tu peux te permettre de, voilà, de... d'être vachement pote avec les gamins, tu vois, en mode... voilà. Do you know of a man named Terry? Moi, je sais que j'avais des pions qui faisaient des soirées avec nous et tout. Non. Who is he? I think he's the boss. Terry? It's all right. Mark? If I hear anything about that Terry guy... Yeah, Dio. What's up? Be careful. I got... a hunch? I sure hope it's just my imagine... I hear you. Ok, donc lui, il sait rien. Mais bon, ouais, donc comme je disais, le collège où je suis, c'est plutôt peinard, donc ça va, on n'a pas trop de gamins qui sont vraiment relous, quoi. Hello. Is this Dan? I also have... So, I get... I see. I'm in a hurry. Okay. Putain, mais... Salut BHL. Bon bah... Encore une fois... Voilà, encore une fois, je sais pas à qui parler. En fait, il y a trop de gens, quoi, et... What the... Do you know a guy? No. En fait, le truc, c'est que ça, il y a trop de gens, en fait. Et du coup, tu sais pas à qui parler, quoi. I want to... I'm really new. Try asking somewhere else. Gotcha. Putain, ils font chier à m'envoyer péter tout le temps, ces enfoirés, là. Ouais, non, mais c'est pas là du tout, de toute façon, c'est sûr, y'a rien, là. Salut, Metal Darda. On en est où? Bah, c'est encore relou, parce que je dois encore chercher... je dois encore demander à des gens des infos, sauf qu'il y en a partout. La plupart, ils m'envoient chier, donc c'est un peu relou, quoi. Ça me prend la tête. Donc, voilà, je galère. Regarde, lui, il va me dire d'aller me faire enculer. Voilà. Donc, en fait, je sais pas du tout à qui je dois parler à chaque fois. Elle, c'est ou lui, là, je sais pas, c'est pareil.
ce fils de nain là. Excuse me, you need to well. Non, voilà, voilà, ça sert à rien. On peut parler à personne. Le gars qui te file la paye. Si il y a ce mongol là. Hey, what's got a sec? Sorry, bro. Got it. Voilà, il sert à rien. Il sert à rien, ça sert à rien. Et le gars qui me file la paye, je sais pas où il est. Ah voilà. C'est la nuit. Tiens. Je crois qu'il était par là, le mec qui donne la paye, non? Ah, mais il est plus là, là. Je peux pas me barrer, là? Bah, devant la cafette. Putain, mais j'en viens, quoi. Non, mais j'en ai plein le cul de faire des allers-retours de merde. On voit personne, y a aucune... Y a aucun connard, là. On voit jamais à 3 mètres devant soi. Comment tu veux savoir repérer les gens, quoi? T'es obligé d'aller devant pour qu'ils popent devant et dire « Ah là, y a une personne ». Va devant la cafette, il y a personne devant la cafette, mec. Nobody. Ah si, bah là forcément il y a des connards. Alors il va me dire j'ai pas envie de parler avec toi, dégage. Voilà, voilà. Ça sert à rien. Il y a rien devant la cafette, hein, regarde. Rien du tout. Nobody. Est-ce que je peux pas me barrer par contre du coup? Hein? On fait comme ça? Allez, je me casse. Bah les couilles. Attends, what? Allez donc voir Ono-san au du magasin de moto? What? Ah non, attends, je dis n'importe quoi. Ah, il faut que je rentre chez moi. Mais what? Apparemment, faut que je rentre chez moi et que je dorme, hein. Faut que je rentre chez moi, mec, hein. Rien à voir, je devais pas parler, hein. Ça fait 5 jours que je taffe. Eh ouais, faut que je rentre chez moi et que je dorme. Voilà, c'est ça. Et là, apparemment, d'après la Solus, y a la meuf qui va se faire kidnapper après, là. Ouais, j'ai fait tous les QTE, mec, je crois. Le truc en moto... LL qui déballe l'escroquerie de la nana assurance. C'est qui, LL? Un peu comme les citrons, BHL, DS3, c'est de la merde. Oh bah tiens, on va faire un live dessus. J'ai pris le live en cours. Non, non, t'inquiète, mec, mais t'excuse pas, attends. Y'a pas de soucis, gros. Aucun problème, c'est pas grave. Mais là, du coup, je peux pas aller acheter des trucs à Dobuita, là. Laurent Louis. Ah oui, le gros, là, l'espèce de sac à merde. Caramel, Sonic, parchemin. Alors, faut m'indiquer dans quel magasin. C'est dans le tomato machin, là, c'est ça? Ok, ça roule. Tomato, ça marche. Parchemin antiquaire. Ah mais je peux pas y aller là, parce qu'on est en pleine nuit. Il est 8h15, je peux pas pouvoir y aller.
Alors, où est-ce que je peux acheter tout ça? Excuse me. What is it? Des batteries, des couches, du PQ, caramel. J'en prends qu'un caramel? Hey man, this. T'as des cassettes aussi. Ok, ça marche. Ok, ok. Prends les cassettes, elles sont uniques. Ok. C'est quoi ça? No prize. Ah, un petit. Bummer. Better luck next time. J'en prends qu'un caramel là? Je peux en. Et alors attends, le Sonic. Tu m'as dit les cassettes aussi. Par contre, je vois pas trop où est-ce que ça peut être. Des bouteilles. Comment on se barre? Putain. Ah, il y a des mangas, trop bien. À côté du vendeur. Et le Sonic? Je suis désolé hein, de demander tout comme un mongol, mais... Des cassettes à côté du vendeur. C'est ça, là? Merde. Ah d'accord. C'est quand je pioche dans l'espèce de boîte que je peux avoir Sonic, c'est ça? Premier prix lecteur cassette, deuxième prix les jeux, trois prix Gold Sonic. Ok. No prize. Bummer. Better luck next time. Attends, le mec, il a l'air vraiment camé, quoi. Il a l'air camé Céline. Allez, on va prendre Nana. Hey, Sonic de base, tu as dans les gachapon. Ok, ça marche. Heureusement que t'es là, Akumajo. Take it. Ouais, j'ai déjà un Walkman. Ouais. Cinquième prix. Here you go. Have a good one, man. Ah, c'est un gachapon alors. Ah, j'ai Metal Sun. Ah non. Je sais. Ça me dit quelque chose. Kids Lion 2. Thanks, man. D'accord. Ok. Et donc l'antiquaire, je peux pas y aller maintenant alors. J'aurai le temps d'y aller après, mec. Hey man. This. Des protèges slip nana. No prize. Bummer. Better luck next time. Allez, on va prendre toutes les cassettes du coup. Bewitch. Et non pas We Beach. J'aimais le petit bruitage d'ouverture du Barzaer. Putain, t'as pas de chance. Hey, hein. This. Draw a ticket.
I won. Take your pick, man. Ah, je peux choisir? Alors, tu me conseilles de prendre quoi? Super Sonic? Gold Sonic. Ok, this one. Thanks, man. Soupasse à Jean Sonic. Ok, allez. Donc là, maintenant, je vais à l'antiquaire ou je vais dormir? Ça vaut de l'oseille dans le 2. Ok. Sonic Rosetta. Sonic Rosé. Ah oui, le gachapon. Dans Shenmue 2, faut tout dépenser son pognon dès le début. Joue jusqu'à pioncer. I should buy one. Ah, devant l'autre boutique dans le début. Oh merde. Bah trop tard. Et j'ai eu un furet. I know this. Un chaton. J'ai eu chaton. Alors. Non, tu vas pas try again, tu vas te barrer de là. Du coup, faut que j'aille à celui qui est vers le début. Alors attention, parce que j'en ai pas vu au début, moi. Devant la boutique au début. Dans l'autre ville juste avant ou dans cette ville-là? Sur l'autre ville juste avant, il n'y avait pas de boutique, hein, il me semble. Salut Chocapix. Cette ville là. T'es sûr mec? Moi je vois rien du tout là. Ça là, c'en est une ça? C'est ça? Espèce de truc... non c'est... Quête de coca. Ah mais c'est dans l'autre ville mec. Bon. La mamie c'était dans l'autre bled avant. Et il me semble qu'il n'y avait pas de boutique donc c'est pour ça. Bon allons-y pourquoi pas. Sakura Gaoka. Il y a une boutique ici? Ah ouais, ici. I love these. I should buy one. Alors, est-ce qu'on va voir Sonic? Oh, j'ai Knight, c'est ça? On peut même pas le voir? Ah, si. Qu'est-ce que c'est que ce perso? Ah non, mais je sais même pas qui c'est. Maybe I should get another.
Il est obligé de commenter tout ce qu'il fait lui-même. Ouais, ouais, ouais. Putain, mais c'est qui ces persos là? C'est Sonic ça? Espio. Bah, je suis obligé de continuer de faire ça ou je peux aller me pioter? Parce que là, je vais dépenser tout mon fric dans de la merde. Hein. Là, je préfère aller dormir. Hein. Parce que j'ai pas envie de dépenser mon fric dans des conneries pareilles. Je préfère acheter des amiibo. Sonic version LGBT. C'est Donald. Bah, Donald vert, c'est le perso des Tiny Toons. Hein. Le canard des Tiny Toons, il est vert. Tu fais ce que tu veux. Ah oui, d'accord, je croyais que c'était obligé d'avoir Sonic, moi. Si tu te mates avec ma meuf, elle kiffe tes vieux euros. Bah écoute, c'est agréable, salut à elle. Elle est bonne ou pas? Si vous cherchez le meilleur serveur Discord avec un DJ développeur de jeux vidéo, organisateur d'event gaming streamer, c'est sympa si que ça se passe. On s'en bat les couilles, Frost. J'aimerais quelqu'un pour virer Frost machin, s'il vous plaît. À quand le prochain unboxing d'Amiibo? Bah il n'y a plus d'Amiibo qui sort, Razul, donc. Hesperis, pardon. Donc voilà, on est baisé quoi. Merci. Merci pour le ban. Très agréable. Le mec il vient faire de la pub sur des streams à 67 personnes. C'est vraiment sa caméra. Ok, je sauvegarde, bien évidemment. Aussi bonne que mon pseudo. Ah, c'est pas mal. Bye, Mark Frost. Ah bah écoute, c'est un plaisir. J'essaierai de faire plus d'euros dans les vidéos, là, prochaine fois. C'est vrai que moi ça fait des roues un peu comme ça. Non, j'ai pas sorti la Saturne. Non, le but à Kumajo c'est... Le but à Kumajo c'est vraiment que je termine le jeu. Quoi. Juste avec Nozomi-san? Non, quelque chose s'est passé à elle? Eh bien, Aida-san a juste appelé. Et il semble que Nozomi-san n'est pas venu à la maison. Quoi? Nozomi-san a dit qu'elle vous rencontrait. Mario Party, bah ils sont pas sortis encore, Badak. Ils me demandent des unboxings d'amiibo, mais tant que j'en ai pas acheté, je vais pas les ouvrir, je vais pas les inventer. Terry's waiting. Who is this? You meet us behind warehouse number 17. T'es à la fin en théorie. Mario, it's a trap. Nozomi. If you don't show. I'll make her cry. Don't you dare touch her. I'll give you 4 hours. Or else. Behind warehouse number 17. Ine-san, I gotta go. Duo-san. Meilleur passage du jeu assurément. D'accord. Allez. If I don't leave Dobuita by 3, I'll never make it. Donc là faut que je reprenne le bus. Enfin le car direction Warehouse 17 je crois. 18, je sais plus.
Nicky Larson. Bah c'est l'espèce de Gollum là. C'est l'espèce de Gollum le cliché. Tu vas te prendre l'amiibo du clébard à Yoshi en laine? Ah, je savais même pas qu'il y avait ça. Bah, je sais pas, je verrai. Edge en mode Gollum, version chinois du 13e. Même David Lafarge en Marseille est plus menaçant que le gars hôtel. On va voir le daron à moto. Ok. Alors je veux bien, mais faut me dire où. Hein. Faut me dire où il est, hein. It's me, Ryo. Who's that? You know what time it is? Oh, Ryo, what is it? Can I borrow your motorcycle? My hog, she's broke down now. She's being fixed. Do you have any others? Nah, they're all taken apart. I know. Go over to Naoyuki's house. I just finished fixing his hog. Naoyuki's? Thanks. Ah, attends, j'ai pas compris. Du coup, il se passe quoi, là? Try to borrow Naoki into... Motocircle? Faut que je prenne une moto? Attends, j'ai rien compris ce qu'il m'a dit, du coup. Putain. Faut que je retourne à Saku machin pour récupérer une moto, c'est ça? Pas pour dire, mais Akuma mérite limite de passer modo pour son aide sur le jeu. Ça, j'avoue. Mais il y a déjà trop de modo, putain. Il faut que je reparte là-haut. Putain, mais... Oh là 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 là, le semi-remorque, putain. Le gars dans la zone avec le gâchapon. Putain, c'est mon meilleur pote, ça, mais je m'en rappelle même pas, quoi. Vache. Faut avoir la Visa Black Card pour être modo. Faut aller sauver la meuf et la RATP. Alors attends, c'était où par contre? Ah bah là, il y a une moto, c'est peut-être là, non? Ça doit être là. Yes, who is it? It's Rio. Chien de vie. Ah, the old chien. Yeah. Just a moment. Un. Ok. Chien de vie, fils de pute. Hey, Rio. What's up? Allez. I need a favor. Oh, sure. Come on in. Can't. I'm in a hurry. Can I use your motorcycle? My motorcycle? Sure. Cash. Putain, la zik, elle est lourde. Thanks. Putain, et je crois que je vais m'acheter l'OST par contre. En vrai. Je kiffe bien l'OST là. Ça, c'est du bon son ça. Don't drive too fast. I won't. Later. Ha ha ha! C'est classe quoi. Thank you.
Oh, le gameplay, attention. Trop classe! Je m'attendais pas à ça. Hein. Je pensais avoir encore un truc à la QTE à la con. Y'a personne sur la route, c'est cool! Ah, franchement, j'aime bien cette phase. Bon délire. Le gameplay est pas trop dégueu en plus. Étonnamment, pour une fois. Et j'avoue, la zik est vraiment classe. Putain, je vais me commander l'OST direct là. Après le stream, je vais m'acheter l'OST là. Il me le faut. Je vais écouter ça dans ma caisse. En allant au boulot là. Heureusement qu'il n'y a pas de bagnole. What? Il va arriver trop tard. Ah, il faut se retaper tout. Oh, la blague. It's real. Ah, the old chan. Just a moment. Hey, Real. What's up? I need a favor. C'est le périph. Sure. Come on in. Le timer. Bah, j'avais le bouton à fond, hein. Je peux pas aller plus vite, hein. My motorcycle. Sure. Catch. Thanks. Don't drive too fast. I won't. Later. Je dessine avec ton stream. Ah cool Kumi. Hâte de voir ce que tu... J'ai hâte de voir ce que tu fais. Ce que tu vas nous pondre. Bon alors, j'ai pas compris. J'avais le bouton enfoncé et je peux pas aller plus vite, hein. Allez à fond, d'accord. Ah, Harmonia. Ah, c'est vrai, ça t'a ému. Bah oui, je suis un peu fragile de la personne. Mais content que ça t'ait plu, alors, comme vidéo. Life is strange. Bon, bah, je vais à balle, hein. Je vais à balle, les gars. Bah, les couilles. Ouais, oh, j'avais vu le timer, mais je me suis dit, bon, ça se trouve, on est large, tu vois. Ah bon, là ça y est, ça se contrôle comme de la merde. À partir du moment où tu restes appuyé sur l'accélérateur, ça devient un peu pourri. T'as pas le temps de profiter en fait du gameplay en moto quoi. Regarde ça, je peux même plus tourner.
c'est une blague ou c'est quoi ce truc là? Je comprends pas. Là, non. Yes, who is it? It's real. Ah, Ryo-chan. Just a moment. Hey, Ryo. What's up? I need a favor. Oh, sure. Come on un petit Vegeta. Ah, il est stylé. Can't. I'm in a pas mal, Kumi, il est stylé. Can I use your motorcycle? My motorcycle? Sure. Catch. Thanks. Elle fait le jeu. Bah, c'est dommage de le faire en vidéo, quoi, mais... T'aurais dû faire le jeu de ton côté, Harmonia. Don't drive too fast. I won't. Later. Ouais, ça va, je l'ai ready, on a compris, il faut du skill. Merci. On a compris, hein. Et je viens de voir que la gâchette gauche c'était pour faire pour freiner un peu, faire du petit dérapage. Chose que j'utilisais pas en fait. Ok, bon, y a peut-être moyen alors. Je gagne pas de vitesse, je suis toujours à la même vitesse en fait. Je sais pas. Yes, who is it? It's real. Ah, salut Blackie. Just a moment. T'es à la fois délirant et fragile, tu t'es chiant, mec. Ah, merci, c'est gentil. Attends, faut pas me déconcentrer parce que j'essaye de faire cette phase à la con en moto là. Qui est classe, mais qui est un peu pourri du coup. Je comprends pas en fait. Bah, j'ai l'impression que. Peu importe ce que je fais, en fait, je suis toujours à la même vitesse et. Bah, bref, je comprends pas le projet. Mais c'est normal que j'arrive toujours à une seconde de la fin. Enfin, je sais pas, après le tunnel, il y a encore des trucs ou c'est genre direct après le tunnel? Parce que attends, c'est quand même méga chaud quoi.
Ouais, j'arrive toujours au même temps en fait. Là, je passe sous la flèche à chaque fois, c'est pareil quoi. Quand je rentre dans le tunnel, il reste 20 secondes. Bon, là, il reste un peu moins, un peu plus. Ok, attends, je commence à avoir un peu le truc, mais... Non, non, mais regarde, c'est toujours le même temps ici. Hein. Toujours baiser au même endroit en fait. Mais what? Mais c'est n'importe quoi. Yes, who is it? It's Ryo. Ah, Ryo-chan, just a moment. Hey, Ryo. What's up? I need a favor. Oh, sure. Come on in. Can't. I'm in a hurry. Can I use your motorcycle? My motorcycle? Sure. Catch. Thanks. Don't drive too fast. I won't. Later. Non mais j'y arrive pas les gars, je... J'aime... Je suis pas bon au truc de bagnole. C'est pour ça que je joue pas au jeu de bagnole, parce que je sais pas tourner, j'arrive pas. Donc là, à mon avis, je vais pas y arriver quoi. Là, faudra une illumination divine ou... Je suis obligé de freiner, je peux... sinon je me mange les barrières. Hein. Regardez, et là 20 secondes quand j'arrive en dessous. Ah, quoique. Là normalement je suis à 5 secondes. Ok, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh, le bad. Ok. Mais là, c'est ouf, j'ai pas eu l'impression d'avoir été plus vite, et pourtant, j'avais quasiment 5 secondes d'écart avec mes autres try, quoi. 10 secondes d'avance. Putain, je comprends pas, quoi. Bon, du coup, Harmonia, nous pouvons rediscuter, hein. C'est bon, je suis disposé. La séquence est pas finie. Oh merde. Bah, il va y avoir des QTE, non? Oh putain, pas des QTE encore. Ils ont rajouté du temps. Ouais, bah si c'est le cas, on va dire qu'on a rien vu, d'accord? C'est pas fini. Ah merde. Nous sommes fiers de toi. Electronic Arts a révélé qu'il était bi, le con.
Vu sa sale gueule, c'est vrai que bon, faut peut-être qu'il aille voir plutôt du côté des mecs, quoi. What? The king of the harbor don't like rats. Like a sewer rat, always sniffing around. Think we just let you pass? Elle croyait avoir compris le message. De quoi? Ah sérieux? J'ai dit une connerie? Non, c'est une vanne. Attends, du coup il me déconcentre ce con. Bienvenue à Jean-Claire. T'as 1000 de balles. Le jeu pour la réussite de la moto, c'est du bien. Merci Kumi. Ah tu m'excuses, attends, je suis en plus de concentration. Comment il veut aller à manger ses morts, lui? Même si mon pseudo ne l'indique pas, je suis un mec. Ah merde! Bah du coup, avec leur connerie dans le chat, je croyais que t'étais une gonzesse, moi. Je me dis, c'est bon, je vais enfin avoir une gonze. Et bah non, c'est pas pour ce soir. Bon, en tout cas, merci, hein, mec, ça me fait plaisir ce que t'as dit. C'est cool que le let's play t'es plu, en tout cas. Bon, les phases de baston, en fait, il y en avait genre une ou deux au début du jeu qui étaient un peu hard. Mais maintenant, enfin, ça passe tellement crème, quoi. You made it, huh, boy? Where's Nozomi? What's your hurry? Have some fun with us. Oh, slasher! Attends, mais je vais me transformer en soupe à Saiyajin Rose Rio, moi. Bon, les combats que je fais sont un peu salaces, hein, j'avoue. Tiens, un petit coup de pied dans ta gueule, là. Ah ouais, d'accord, eux, ils sont complètement buggés. Ah, c'est Clasher. Il a dit quoi, Harmonia? Je lui pas un épisode. Respectez les gens, les gars, putain. Je suis un mec viril, les gars, ça m'empêche pas d'être sensible. Mais évidemment, mec. Hey. You play with him. En deuxième. Attends, on en refait un. Ah, cool, sympa avec les couleurs. Ça rend pas mal. Alors, est-ce qu'on va la sauver, cette chienne? Bah d'accord, super guerrier, faute grave. Terry. You're the tough little schoolboy, huh? Hear you messed up some of my boys pretty good. If I let you go, schoolboy, it sets a bad example. You're the one trying to get information about the long job. You're either real brave, or you're real stupid. I'm taking Nozomi home. Sure, you can. But... it's gonna cost you. What? My deal is, you gotta beat up Jin's son. Make it so he can't walk. Guizong? Ah, so you know him, huh? Why him? He's in my way. Your way? As long as Chen's around, we won't be able to gain total control of the Hong Kong route. Is it a deal? All right. Ryo, don't! But one more condition.
It ain't enough to get the girl back. You take me to Land D. This kid's got a death wish! He's got some screws loose! What do you say? I know you're the one that guided Land D. Well, there's more to Schoolboy than Mr. I. You take me to Land D, then it's a deal. Phew. Fine by me, but only after you take out Guiza. Don't forget! Hey, I ain't no street punk. When Terry of Yokosuka speaks, he means what he says. I'm taking her home. Fine. Let's go. Alors attends, j'ai... Bon, d'après ce que j'ai compris, il faut que je pète la gueule au fils de Chen. C'est ça? Désolé si tu pensais que j'étais une meuf. Bah tant pis. But I won't let this go. Ah c'est ça? Mais pourquoi? Mais du coup c'est débile parce que c'est mon pote. Enfin mon pote. Je vais pas bosser pour les fils de nains, hein. Là, il est 23h09. J'hésite à arrêter parce que j'ai peur de... d'être claqué demain, quoi. C'est la fin? Ah, c'est peut-être la fin, remarque. Non, c'est pas la fin, à mon avis. Ah! Attends, je vais écouter la zig parce qu'elle se trouve, elle est stylée. Quel jeu de merde. Attends. Ah la zik, non. En vrai, je vais m'acheter l'OST tout de suite là. Et il est où son casque là, à Ryo Azuki là? Elle coûte un bras l'OST? Non, arrête. Attends, je vais aller voir ça après. C'est... Alors c'est la fin là, ça y est? C'est les négomes, si ne te fais pas avoir, économise tes sous. Ah non, c'est pas la fin. Alors, ces espèces de clashers là, qu'est-ce qu'ils me sortent? Ah ouais, c'est pas la fin. Ah ouais, bah ouais, c'est pour ça que... Il reste combien de temps là? Ah ouais, putain, minuit. Ah, moi, je peux pas. Hein. Faut que je bosse. Hein. Demain, je bosse, c'est chaud. Hein. Ouais, je pourrais pas. Je peux pas. Je suis trop fatigué. Demain, je travaille tôt et c'est chaud. Non, bah, on se retrouve demain soir pour la fin. On finit ça demain soir, tranquillement. On fait ça comme ça. Parce que là, je peux pas. Trois quarts d'heure, ouais, bah, je peux pas, mec. Hein. J'ai pas envie d'être démonté demain.
Donc on se fait ça demain, on termine demain tranquillement et puis voilà. Ok, on fait ça comme ça. Et peut-être même si je suis chaud, je commencerai le 2. Hein? On verra ça. Donc demain soir, ouais, 21h30, ouais, 21h30, ouais. 21h30. Allez, on dit 21h30, ça roule. Allez, des bisous, bonne nuit, et puis on se voit demain. Et peut-être on commencera peut-être le 2. Enfin, on verra, on regardera. On verra comment ça se passe, ok? Allez, ciao les gars.